السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تعلمون قد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك الذي أتحفنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا الموسم الكريم يجتمع فيه للمسلم أمران أو شعوران اثنان: الحزن والفرح. الحزن لأن الأيام قد مضت سريعا ومر السحاب، والفرح لأن هذا هو أفضل مواسم العام، لا نقول أفضل مواسم الشهر، بل هو أفضل مواسم العام أو من أفضلها. والحفاظ والمحققون على أن أفضل أيام السنة هي أيام عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان. ولكن كما تعلمون، علينا إذا أردنا أن تقبل عباداتنا وأن تقبل أعمالنا، لا سيما في هذا الوقت الفاضل، أن نقتدي بالذي بعثه الله عز وجل أسوة لنا، وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر التي هي من أفضل أيام السنة، أو هي أفضل أيام السنة أو أفضل ليالي السنة. Comme vous le savez, nous sommes arrivés dans la dernière décade finalement. Et cette période bénie, lorsque le musulman y arrive, c'est une période où se rassemblent en lui deux sentiments qui peuvent être opposés: la joie et la tristesse. La tristesse parce qu'on est déjà arrivé à la fin de ce mois béni qui est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et les jours sont passés extrêmement vite. Vous voyez que c'est comme un clin d'œil. Quand on se rappelle du moment où on venait de commencer le mois de Ramadan et on se faisait des rappels entre nous de profiter de ce mois et de ses bénédictions et de ses miséricordes, eh bien là, en un clin d'œil, on est déjà au 20e ou au 21e. Et la joie, parce que c'est cette période-là, c'est l'une des meilleures périodes de l'année, voire la meilleure période de l'année. Je m'explique. Les ulama disent, les savants disent que les meilleurs 10 jours de l'année, ou les meilleurs jours de l'année, sont les 10 jours de Dhul-Hijjah. Et les meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc on est dans une des périodes qui est la meilleure période de l'année d'un référentiel qui est la nuit. Les 10 meilleures nuits de toute l'année, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mais comme vous le savez, pour profiter au mieux de cette période bénie, il faut absolument qu'on cherche à ressembler à notre modèle qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voir comment est-ce que le prophète alayhi sallatu wassalam, il profitait de cette dernière décade pour prendre exemple sur lui et pour profiter un maximum des bénédictions de cette dernière décade comme le prophète alayhi sallatu wassalam en profitait. Rawa al-Bukhari Muslim an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam إذا كان العشر، يعني العشر الأواخر من هذا الشهر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر، وسوف نشرح بإذن الله تعالى هذا الحديث. Donc la voie et l'exemple du prophète عليه الصلاة والسلام dans cette dernière décade, c'est ce qu'a dit Aïcha رضي الله تعالى عنها dans le hadith qui est rapporté dans Sahih, où elle dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque venaient les 10, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan, shadda mi'zara, il serrait sa ceinture, wa ahya layla, et il faisait revivre ses nuits, et on va expliquer tout cela, wa ayqadha ahlah, et il réveillait sa famille. Donc ce hadith là, il résume la situation du prophète alayhi salatu wassalam dans ces dernières années. Shadda mi'zara. من العلماء من قال أنه كناية عن الجد والاجتهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويجد ويكد في هذه العشر، لأنها أفضل أيام، أفضل ليالي السنة كما رأينا، فيجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها.
ومنهم من قال أن هذا شد المئزر هو كناية عن اعتزال النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيع وقته حتى في الحلال في بضعه مع أهله، أي مع النساء لا يضيع وقته حتى في هذا الذي هو مسلك حلال أباحه الله عز وجل لعباده، ولكن في العشر الأواخر الوقت أنفس من أن يضيع في مثل هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره أن يعتزل نساءه، كما قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء وإن باتت بأطهاري. فمن العلماء من قال أنه كناية عن اعتزال النساء. Donc certains savants ont expliqué ce hadith là premièrement en disant il serrait sa ceinture dans le sens il faisait énormément d'efforts, beaucoup plus que ce qu'il faisait dans d'autres périodes de l'année, parce que c'est une période qui est extrêmement bénie. Et on va voir à la fin du hadith pourquoi, mais même si vous le savez, mais on laisse cela à la fin du hadith. Et d'autres savants ont dit il serrait sa ceinture, c'est une métaphore pour dire qu'il s'écartait de ses épouses. C'est-à-dire même les choses halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées, la nuit du jeûne notamment, aller vers son épouse, commercer avec son épouse, avoir un rapport intime avec son épouse. Le prophète, alayhi salatu salam, il ne perdait pas son temps dans cela. Même ces choses-là, halal. Parce que le temps est beaucoup trop précieux pour le perdre, même dans ces choses qui sont importantes. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit « Wa fi bud'i ahadikum sadaqa ». Il dit dans le rapport que la personne a avec son épouse, il y a une sadaqa. Donc c'est une chose qui est importante. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit « Kullu lahwin yalhu bihi al-mu'min batil illa fi » Il dit tout divertissement par lequel le musulman se divertit est une futilité, sauf dans trois choses. Et parmi elles, les choses, le rapport que l'homme a avec sa femme, l'amusement que l'homme a avec sa femme avant le rapport. Donc pour dire que même ces choses-là qui sont permises et recommandées, le prophète alayhi salatu salam s'en écartait durant ces dix derniers jours. Durant ces dix derniers jours et ces dix dernières nuits de Ramadan. Wa ahya layla, ay sahara laylahu fil ibadah. سهر بالليل في العبادة أي أحيا ليله بالسهر لأن النوم أخو الموت فأحيا ليله أي حي في هذه الليالي بالذكر والعبادة ولم ينم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر لا ينام الليل ويعوضه بشيء من النوم قليل جدا مما يقوم به بدنه وإلا فهو يترك النوم. لماذا؟ لأن هذه الأوقات فاضلة لا سيما في الليل. Et il faisait revivre ces nuits, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas. Parce que le sommeil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le frère de la mort. Donc ça c'est une métaphore aussi pour dire que le prophète alayhi salatu salam, il ne dormait pas. Il passait ses nuits à veiller dans l'adoration et dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'invocation. Parce que ce temps-là, encore une fois, il est trop précieux pour être perdu même dans le sommeil. Pour vous dire à quel point on doit faire des efforts pour profiter de ces nuits-là. En particulier la nuit. Yani la journée, il se peut que les gens continuent à travailler, etc. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas une âme de plus que ce qu'elle peut supporter. Mais la nuit, fais en sorte de faire un maximum d'efforts la nuit. Wa ayqadha ahla. Wa hadhihi هي النقطة العظيمة التي أريد أن أحدثكم عنها في هذا الكلام القصير. أيقظ أهله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأهله كما يعتني بنفسه. في حديث للترمذي أن زينب بنت أم سلمة، أن زينب بنت أم سلمة يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يدع أحدا يستطيع القيام إلا أقامه. وهذه وصية أوجهها لأرباب العائلات. أنت بصفتك رب عائلة ولك أولاد ولك زوجة ولك بنات، لا يجوز لك أن تأتي إلى المسجد بمفردك ولا تبالي بأهلك. يعني بعض الناس تراه ما شاء الله في الخمس في الصلوات الخمس في المسجد، وإذا سألت عن ابنه وإذا سألت أين ابنه عن ابنه أو حتى عن ابنته أو حتى عن زوجته في هذه المواسم في التراويح وفي صلاة القيام، لا تكاد يعني تعرفهم أصلا، حتى بالنظر لا تكاد تعرفهم. وهذا من المؤسف
ولم يكن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقظ أهله حتى يصلون معه. Et donc le dernier volet de ce hadith, c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام il réveillait sa famille. Et ça c'est très important. Et c'est un point sur lequel j'aimerais parler avec vous en cette soirée bénie. C'est qu'il y a énormément de personnes malheureusement qui pendant ces mois bénis font attention à leur personne mais ne font pas attention à ceux qui sont autour d'eux. Et bien sûr selon les capacités de tous, mais parfois on voit des pères de famille qui ont des enfants, qui ont une épouse, et il vient prier les cinq prières à la mosquée, et il prie Tarawih jusqu'à la fin, il vient prier Tahajjud. Et tu lui demandes où est ton fils, où est ta fille? C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu ne les vois jamais. Alors que Muskine, parfois, moi ça m'est déjà arrivé de parler avec des jeunes, ils me disent mon père il ne m'amène jamais à la mosquée. J'ai envie d'aller à la mosquée, mon père il ne m'amène jamais. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, ce n'était pas du tout cela, sa manière de faire. Le prophète, alayhi salatu wasalam, comme elle dit Zaynab bint Ummi Salama, la belle-fille du prophète, alayhi salatu wasalam, elle dit lorsque le messager, sallallahu alayhi wasalam, les 10 derniers jours du Ramadan, il venait, il ne laissait personne chez lui pouvant assumer de se réveiller pour la prière sans qu'il ne le réveille. Toute personne qui pouvait se réveiller, il la réveillait. Toute personne qui pouvait prier, il la réveillait pour prier. Toute personne. C'est une globalité. Il n'y a pas de cas particulier. Tant que la personne elle peut se lever et prier, il l'a réveillée. Wa fi hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul hadha hadith jamil jiddan. Yaqul rahima Allah imra'an qama min al-layl fa salla fa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat nadha 'ala wajhiha min al-ma'. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت على وجهه من الماء. انظروا إلى هذا الألف وهذه الرحمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين. Et dans un très beau hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se serait levé la nuit pour prier, qui aurait prié la nuit, qui aurait réveillé son épouse avec lui pour prier. Et si elle ne veut pas se lever, il met un peu d'eau sur son visage pour la réveiller. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève pour prier, à une femme également. Ma sœur, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas facilité à ton mari pour qu'il te pousse lui à l'adoration, eh bien pousse-le toi à l'adoration. Et à chaque couple, Allah subhanahu wa ta'ala, il désigne un rizq particulier, une subsistance particulière. Parfois tu trouves que c'est le mari qui est vigilant et la femme qui est un peu fatiguée, dans tous les sens du terme. Et parfois tu trouves que c'est l'inverse, c'est la femme qui est vigilante et le mari qui est fatigué. Eh bien dans les deux cas, ils doivent se compléter l'un l'autre. Et qu'Allah fasse miséricorde, ça c'est le hadith, qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier, qui prie et qui réveille son mari, et s'il ne veut pas se réveiller, elle met un peu d'eau sur son visage pour qu'il se lève. Qu'Allah fasse miséricorde, regarde cette belle invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Et pourquoi à votre avis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait tant d'efforts? Parce que dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la surah, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Nous l'avons révélé le Coran dans Laylatul Qadr. Qui te dira que Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois? Durant cette nuit-là, les actions que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils valent plus que les actes qui sont faits pendant 1000 mois. Certains savants du tafsir comme Al-Qurtubi rahimahullah et d'autres ont évoqué, ils ont dit ça c'est pour combler la peine de la communauté du prophète alayhi salatu wasalam. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam, il a vu les âges des gens qui étaient avant nous et il a vu qu'ils vivaient énormément. Ils vivaient énormément. C'est-à-dire parfois ils vivaient 1000 ans, parfois ils vivaient 800 ans. Et nous on a une espérance de vie qui est entre 60 et 70 ans pour la moyenne comme le prophète sallallahu alayhi wasalam dans un hadith qui est rapporté de lui dans la chaîne transmission peut être révocable, mais dans le sens c'est correct. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour combler ce manque-là, il nous a donné une occasion par an qui est équivalent à peu près 83 ans d'adoration. Tous les ans, on a à peu près 83 ans d'adoration. Donc multipliez et voyez combien ça fait. Et d'autres savants ont dit que le règne de Sulaiman,
a duré 500 mois. Ça, c'est également dans Tafsir d'Al-Qurtubi. Ma mémoire ne fait pas défaut, alors dans Tafsir d'Ibn Kathir. Le règne de Sulayman a duré 500 mois. Et le règne de Dhul-Qarnayn a duré 500 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer les musulmans en leur donnant les deux règnes en une seule nuit d'adoration. Donc cette nuit-là, elle est extrêmement importante. Et la personne, elle doit en profiter. Et la meilleure des choses avec laquelle tu peux profiter de cette nuit-là, et ce sera les deux conseils, inshallah ta'ala, que je vous donne à tous, modestement, et que j'essaye, j'espère, appliquer moi-même, en espérant, il se peut que même cette nuit qu'on vit maintenant, ce soit la Laylatul Qadr. Les deux conseils les plus importants qu'on peut donner, c'est, premièrement, invoquer abondamment de l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit: vois-tu au messager d'Allah, si j'atteins Laylatul Qadr, que m'enseignes-tu de dire? Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit: dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Si tu ne peux pas la dire en arabe, dis-la en français. Et le deuxième conseil, c'est en plus de passer la nuit en prière. Ça, passer la nuit en prière, tout le monde le sait. Le prophète alayhi salatu wasalam dit: man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi. On vient d'en parler. Le prophète sallallahu alayhi wasalam dit: celui qui passe la nuit de laylatul qadr en prière par foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Ça, on en a déjà parlé dans le hadith ahya layla, il passait ses nuits à veiller en prière, etc. Mais le conseil le plus important qu'on peut donner, c'est: fais attention à salat al-isha et salat al-fajr en jama'a. Fais attention à la prière de l'isha et à la prière du fajr en groupe. Saïd ibn Musayyib, il disait dans le tafsir, il disait: celui qui prie salat al-fajr et salat al-isha en jama'a, faqad nala hadhahu min laylat al-qadr. Il aura acquis et atteint sa part de laylat al-qadr. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: man qama man salla al-isha fi jama'a faka'annahu qama nisfa al-layl wa man salla al-fajr fi jama'a faka'annahu qama al-layl kullah. Celui qui prie le isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie le fajr en groupe avec le isha, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc si tu pries Al-Isha et Al-Fajr en jama'a, bi'idhnillahi ta'ala, t'as la récompense de la prière de toute la nuit, en plus de toutes les prières que tu pourras faire. Et malheureusement, c'est dommage et c'est triste de voir des personnes qui se concentrent plus au surrogatoire qu'à l'obligatoire. Il fait Tarawih, tabarakallah, c'est très bien. Il le fait complet. Mais il arrive pour salat al-Fajr, il ne vient pas à la mosquée ou alors il dort. Ça, c'est triste. Donc veillez, du moins pendant ces 10 dernières nuits, à faire en sorte de compléter un maximum sur tout ce que vous avez pu avoir comme lacune au début du mois. Et c'est, je m'adresse à moi le premier, parce que comme il dit Ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari, il dit ce hadith là fihi isharatun ila tajwidi al-khatm, il dit c'est une indication pour faire au mieux à la fin de ce mois, pour que la fin de ce mois elle comble les manquements qu'il y ait pu avoir au début du mois. Et sache que tout ce que tu fais dans ce mois là c'est ce que tu vas te bâtir pour toi-même au paradis. Tout ce que tu vas faire comme adoration, tu le devances pour toi au paradis. Comme le poète, il dit: la dara lil mar'i ba'd al-mawt yaskunuha illa allati kana qabla al-mawt yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Il dit: tu n'as pas de demeure que tu vas avoir après la mort, sauf celle que tu auras commencé à construire avant la mort. Là, tu commences à construire. C'est pas ta maison au bled que tu prévois pour construire. C'est pas la maison dans telle bourgade, dans tel village. C'est la maison au paradis que tu es en train de construire. Et cette maison-là, si tu la construis avec du bien, eh bien tu seras béni, bi'idhnillah. Et si tu la construis avec du mal et des choses mauvaises, eh bien ce sera à toi de t'en prendre à toi-même. Donc si tu passes ces nuits-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'offre comme cadeau, dans l'adoration, dans la prière, dans l'invocation, eh bien tu trouveras cela, bi'idhnillah ta'ala, pour toi le jour de la résurrection. Et si tu les passes dans les futilités, dans qila wa qal, dans les paroles, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, dans ceci et dans cela, eh bien ce sera à toi de t'en prendre à toi-même. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.